Nous, on va vérifier le montage, on va vérifier 3 ou 4 fois, et on va chaque fois mettre un bout comme ça à vérifier. Comme si tu parlais avec ma mère, en fait, c'est la même chose pour expliquer un peu l'histoire. Et ben, alors, imagine que tu parles à ma mère et qu'elle est là. Moi, comme ça, on ne peut pas t'imaginer, oui, machin là. Là, de toute façon, tes paroles, ça va avoir un impact sur. Parce qu'en fait, elle va se sentir mieux aussi d'un côté. Voilà, c'est pour ça. Bah du coup, vas-y, refais la présentation et puis dis-nous tout ça. 3, 2, 1, c'est parti. Je suis donc la maman et je voulais simplement dire qu'en fait, j'étais d'accord pour la relation entre lui et ma fille. Donc, aucun mal, il venait chez moi, il connaissait ma famille. Connaissait ton père, enfin, aucun souci, quoi. Je veux dire, je comprends pas que tu puisses raconter des choses comme ça sur lui. C'est quelqu'un de gentil, enfin, j'ai confiance en lui. Voilà. Je comprends vraiment pas en plus qu'on puisse dire des choses comme ça, parce qu'en fait, ce que j'ai entendu, ça m'a complètement fait du mal, même pour moi et pour ma fille. Donc, je n'ai certainement pas des choses à dire quand j'arrive pas. C'est surtout pas des choses à dire aussi en public parce que c'est censé se régler en privé et dire comme ça et se servir de tout ça parce qu'en plus il y a la fille aussi derrière et c'est ça aussi qui est blessant parce que ça joue beaucoup. Je peux comprendre que toi t'es mal et du coup je peux comprendre que toi ça te fasse du mal et ça fasse du mal aussi à ta famille, etc. Parce que moi, on m'a accusé, alors moi, je n'ai pas regardé la vidéo, je vais faire ça avec tout le monde, mais simplement, on m'a accusé, comme quoi j'ai pris une mineure chez moi de 13 ans, en plus de ça,
apparemment chez moi pendant un an. Du coup, tu pourrais réagir dessus. Je m'appelle Jacqueline, je suis ma fille, je suis désolée, elle n'a pas 13 ans. Et puis je habite chez toi enfin, pour moi un an, enfin, je ne sais pas du tout, je des choses comme ça. Quoi. Et puis j'étais vraiment choquée le fait que sur toi, que tu montrais enfin, ton père, des choses comme ça. Enfin, en tout cas, je n'ai jamais rien passé entre ma fille. C'était pas c'était clair quand je t'ai rencontrée. J'ai dit que ma fille était mineure, qu'il fallait faire attention, que je te faisais confiance. Donc j'ai souvent posé des questions à ma fille, jamais rien passé entre vous. Puis voilà, quoi, j'arrive pas à comprendre, je suis vraiment blessée par toutes ces paroles. Et voilà, et puis ma fille n'est pas bien du tout, moi je suis pas bien, et puis j'imagine que toi, c'est pour te plaisir aussi, quoi, pour ton image. Moi, je, voilà. Parce que vous avez écouté parce que j'en ai marre. Mais en plus c'est les mots qui sont graves. Quand on m'insulte de pédophile, comment tu sors à faire un verre qu'on m'insulte sur des choses qui sont même pas vraies. C'est dégueulasse parce qu'il y a des vrais pervers, il y a des vrais pédophiles, il y a des gens qui violent des enfants et moi on me met dans.